Salut à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Aujourd'hui, on va parler réglementation drone, avec un produit très utile si vous êtes propriétaire d'un drone de plus de 250 grammes. Le module Remote ID Ruco R111. Je vais vous présenter ses points forts, ses points faibles et vous dire s'il vaut vraiment la peine. Mais avant de commencer, si vous appréciez les reviews et contenus geek, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Alors, ce module Ruco R111 sert principalement à être conforme aux nouvelles réglementations de la FAA sur l'identification à distance des drones. Avec un poids plume de seulement 13,5 g et des dimensions super compactes, environ 3 par 2,7 cm, c'est un accessoire conçu pour être léger, discret et surtout facile à installer sur n'importe quel drone. On retrouve aussi une batterie intégrée rechargeable en USB-C, ce qui est plutôt pratique. Entrons maintenant dans les avantages du Ruco R111. Premier point positif, il est universel. Vous pouvez l'installer facilement sur presque tous les drones du marché, que ce soit du DJI Mini, Air, Mavic ou même sur vos drones FPV, grâce aux différents supports fournis, velcro, adhésif, attaches autobloquantes. Deuxième avantage, l'autonomie. Une charge complète en seulement 40 minutes permet environ 5 heures d'utilisation, ce qui est largement suffisant pour plusieurs sessions de volume. La simplicité d'utilisation est vraiment appréciable. Pas besoin de configuration compliquée, il suffit de le fixer, l'allumer et voler directement. Enfin, le poids minime du module n'affecte pratiquement pas les performances de volume, ce qui est très important, surtout pour les petits drones. Mais passons au point faible du Ruco R111, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Premièrement, la portée de diffusion du signal Remote ID peut parfois être un peu limitée dans des environnements urbains très denses ou près d'autres sources d'interférences. Le module ne propose pas d'indicateur précis de l'état de la batterie, uniquement une petite LED, ce qui peut vous obliger à bien vérifier votre niveau de charge avant chaque volume. Autre petit détail, le prix. Il est un peu élevé pour ce qu'il propose, surtout si vous êtes un utilisateur occasionnel. Autour des 50 $, ça fait réfléchir pour certains utilisateurs. En gros, le Ruco R111 Remote ID est idéal pour ceux qui volent régulièrement, spécialement si vous habitez aux États-Unis et souhaitez être en conformité avec les réglementations FAA sans avoir à remplacer votre drone actuel. Si vous êtes un utilisateur occasionnel, réfléchissez bien à l'investissement. Alors, est-ce que je recommande le Ruco R111? Si vous cherchez une solution simple, efficace et surtout légère pour être en règle facilement, oui. Malgré quelques petits défauts, c'est un produit fiable qui répond parfaitement à son objectif. Par contre, si vous volez rarement, peut-être que d'autres solutions moins coûteuses pourraient vous convenir. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de détails, laissez un commentaire juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu geek et de review, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur GeekTech.